Dans les Vosges parce que c'est clair que c'est la première fois que je viens rouler en VTT. Je suis venu en rallye mais pas en vélo et clairement si j'étais pas venu en VAE pour faire le trophée, je sais pas si je serais monté parce qu'il y a quand même 950 bornes, donc content quand on a le beau temps et l'orga est super et franchement tout le monde a l'air hyper motivé d'accueillir une Coupe de France, donc il y a tous les ingrédients pour se faire plaisir et ça devrait être cool. Ça va être dur de gérer les deux courses en même temps cette année. Effectivement, je suis leader des World Series chez les moins de 21 ans. Après les trois premières manches qui se sont déroulées au Chili, en Argentine et en Irlande le week-end dernier. Ce week-end ici à Raon, je pars avec le numéro 1 de leader des Coupes de France. Je vais pas, malheureusement pas pouvoir faire toutes les Coupes de France, mais je souhaite quand même défendre ma place aux avant-postes et ma plaque de numéro 1 sur les trois premières manches. Donc je vais pas leur laisser ma place facilement cette année. Bah, aujourd'hui déjà, grosse journée. C'est spécial, aujourd'hui il y a déjà 5 à reconnaître. Vraiment un régal, beaucoup de traces bien fraîches, plaisantes à rouler, moi je me suis vraiment régalé. Et après il a fallu embrayer pour la première spéciale du jour, donc après 5 spéciales de reco, c'était pas évident de se remettre dans le bain pour partir à fond sur une spéciale de course. Mais ça s'est plutôt bien passé, elle est vraiment plaisante à rouler, il y a un peu de vitesse, il y a des belles courbes bien fraîches dans la terre meuble, donc franchement on se régale. Et bonne surprise à la fin, j'avais les bonnes sensations et de voir que j'ai le meilleur chrono, en plus de voir Alexis qui est un local et qui roule chez Calendal aussi, donc tout bénef et bah, ça met le baume au cœur pour demain, il va falloir bien récupérer. Et puis rebelote, 5 spéciales à bloc avec le sourire. Bon, moi j'ai tout donné parce que je voulais surtout pas que finir devant Nico et qu'il parte derrière moi demain, mais je savais que même en roulant à fond il serait quand même devant, donc voilà, il est 5 secondes devant sur une spéciale presque 4 minutes, c'est bien, je suis assez content. Le terrain il change énormément, donc demain il peut y avoir beaucoup de pièges, beaucoup de surprises, ça se dégrade parce que nous on ouvrait aujourd'hui, donc on passait les premiers, le terrain était meuble, assez vierge. Et puis derrière, il y a tous les vélos normaux qui sont passés et ça a fait 300, 400, je ne sais pas combien d'années, 500 passages. Du coup, là on a vu hein, ce soir, on a fait la spéciale 1 qu'on avait fait ce matin, ça n'avait plus rien à voir. Bon, ça avait séché, un peu plus de grippe, un peu plus d'attaque, c'était très très plaisant. Mais demain, je pense qu'on peut avoir de grosses surprises avec le changement de terrain dans toutes les autres qui étaient beaucoup plus bien. Hi, my name's Ray Morrison and I'm from New Zealand. I'm racing the French Enduro Series because at the moment I'm living in France, so I'm in Nice
and basing myself here for the enduro season. So it's a really good training and good good blast of the legs for the Enduro World Series that I'm chasing this year with Team Lapierre. So it's a lot of fun and I'm loving it. Ça joue ça le musée ici, c'était sympa. Voilà, pas de chute, un public pas hyper nombreux, mais par contre hyper, hyper chaud et on l'entendait vraiment. Donc ça, c'était génial. Dans les bois, il y avait une super ambiance. Et puis, voilà, des parcours vraiment différents de chez nous, mais top, justement. Et des vers, des racines, des passages techniques, c'était vraiment cool. Là, franchement, beau tracé. Bon, Cyril, en VTT assistance électrique by James. On applaudit, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Ça fait le boulot. Monsieur Pierre, Monsieur Pierre. Monsieur Pierre, s'il vous plaît. Et encore plus de bruit pour l'ensemble de l'organisation, 150 bénévoles, le 5e année.